Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Pokémon Light Platinum Nuzlocke Challenge. Allons-y sans plus tarder avec un petit battle direct là, right now, avec vous. J'ai plus rien à dire, ça paraît-tu? Stunky! Stunky! Oh, Stunky! Level 8! Oh, ciboire! La difficulté d'ombre ben augmentée d'une shot. C'est sûr qu'il y a deux Pokémon, mais. Quand même! Oh my god, ok. On va y aller avec notre bonne vieille tactique. Linky, occupe-toi de ça. J'ai l'impression que ce Charmander-là va vraiment être le bouc émissaire du Nuzlocke Challenge. Le sauveur de situation, voyez-vous. Est-ce que vous voyez que Stunky a la face en paire de couilles, littéralement? C'est une paire de couilles. Chobai, paire de couilles. What the fuck? Doofy-Doo, level 8. Excellent, excellent. Level. Ah, pas level 15 pour Linky. Il y a 4 Pokémon. Level 9? What? Quel jeu extrêmement difficile. Je suis pas prêt à ça, là. Poison Gas. What the fuck? Merci. Merci. Linky, t'as pas le choix de faire une performance incroyable. Excellent, excellent. J'ai pas d'autres Pokémon, sinon j'ai. Ok, Gru level 15, excellent. Shinx. Je dois dire que les Pokémon de plus haute génération que la troisième sont très bien pixelisés pour la troisième génération. Ils sont extrêmement beaux. Oh non, 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 non. Linky. Linky, come on. Come on, Linky. Est-ce qu'on va l'avoir, Linky? C'est quoi, là? Pachirisu, level 15. Oh my god, Linky. Oh, dans quoi je t'ai embarqué, dude? Ok. Doopidoo, go! Ok, d'accord, Doofidoo. Ok, je pense qu'on va faire. Non, oh non, non. Ok. J'ai vu ça pire que c'était, hein, s'il vous plaît. Ok, growl, growl. Tout ce que tu veux faire, growl. Ok, ça va être une compétition de growl, mon gars. Growl, 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 growl. Growl. Charm. Oh non! Oh, damn it! Ok, growl, growl. On growl encore. On growl à gauche, à droite. On growl encore. Tout le monde est avec moi. On growl en ce moment. Go, on growl. Lâche un growl, go. Growl, 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 growl. On baisse notre attaque parce qu'on n'a pas de stratégie. Autre que ça. Là, là. Growl, growl, growl. Ok, yes! Son attaque ne peut pas aller plus bas. Bidouf, voyons comment tu t'en sors avec un tackle. Ok, bon. Tackle, mon bidouf. But it failed. Tackle, ouais! Ok, je pense qu'on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Ah, oh, pas ça fait. Ah. Oh. J'ai peur que. Yes, un coup critique, bidouf. Doufidou. Oh non, 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 pas trop fort, pas trop fort. Oh non, Doufidou. Non. Oh non. Oh non. Oh non, j'étais sûr que ça allait pas faire autant de dommages que ça. Oh, Doofy-Doo. Oh. Growlithe. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, Growlithe. Ember. Non, Growlithe. Survie. Oui. Oh non. Yes.
Yes. Ok. Crawlite. Survie. Nice. Oh, nice. Ouh, j'ai vraiment eu chaud. Oh my god. Oh, bidouf. Ouais. Ces deux levels-là n'excusent pas la mort de mon Pokémon. C'est triste. Oh yeah! Ça l'excuse totalement la mort de Doofidoo. Come on, yeah! Yeah! Congratulations! Your Linky evolved to Charmeleon! Nice! Ok, on va donner l'antidote à Linky. Oh my god, bidouf! Retour au Pokémon Center! Ah! Ah! On va déposer notre cher Doofidoo. J'avais de l'espoir en tes talents de Pokémon haut dans le futur, bidouf. Au revoir, Doofidoo. Tu vas nous manquer. J'évalue la situation et si ce trainer-là était si hard. Oh non! 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 D'un coup, je me suis embarqué là! Oh, c'est sûr que c'est un trainer! C'est sûr que c'est un trainer! Oh my god! Oh, puis j'aurais dû lire, désolé. J'ai même pas pu savoir c'était quoi le type que le professeur a donné à Kenta. Oh. I think I'll try to catch one. Je pense que je vais essayer d'en attraper un. Oh damn, wow! C'est comme une nage synchronisée de Feebas. Yeah, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Wow, vraiment impressionnant, professeur. J'ai tombé en amour avec ces Pokémon. J'en attrape un maintenant. Go, Pokéball! Ah, oh, c'était rapide, hein, comme capture de Pokémon. Hein? Le professeur Oak. Quoi? Ce Feebas est en train de m'attaquer? Aidez-moi, aidez-moi! Et moi, je dis, professeur, je veux vous sauver! Bon, dans le fond, hein? What? Avez-vous vu les petits pots dans le sable? C'était quoi? What the fuck? Bon ben, je pense que je peux pas attraper ce Pokémon-là, vu que c'est dans la même route que... Oh, je peux pas attraper ce Pokémon-là. C'est la même route que les... Tantôt. Désolé, Feebas, t'aurais fait un bon Pokémon. Extrêmement plus que ma garnouille. Hey! Parlant de garnouille. Come on! Go, garnouille! Hé, t'as ton ben de l'air menaçant. T'as de l'air tout petit. J'aime comment que la musique est dramatique à fond pour un Feebas level 3. Je sais pas, il va-tu avoir la fin du monde après? Ça va-tu déclencher un tremblement de terre? Est-ce que les Canadiens vont faire les séries? Je sais pas pantoute qu'est-ce que ça présage tout ça. Pourquoi je dis c'est Mermy? Professeur Jasmine m'a demandé de vous dire qu'elle est en train de faire d'importantes recherches sur la création de l'univers et elle a besoin de votre aide. Elle veut que vous montrer quelques résultats. Ok, non. Ouais, elle veut vous montrer quelques résultats qu'elle a fait. Elle est dans son labo à la ville jaune. Yellow Town, ville jaune. Merci bien, Mormy. Je m'en vais tout de suite là-bas. Oh, et c'est mon neveu, Kenta. Nice to meet you, Mormy. Content de te voir, Mormy. Tu as l'air d'un Pokémon trainer assez skillsé, mon ami. J'espère qu'on va faire face un jour. Je dirais de même, mon Kenta. Bien, je dois y aller maintenant. Au revoir, mes amis. Ben, au revoir, Bambi, en fait, parce que je pars avec mon neveu.
cool. Ok, je sais pas d'après vous, mais d'après moi, d'après mes skills, au travers du temps avec les jeux vidéo, je pense que je viens d'accomplir de quoi d'important dans l'histoire. Je suis ça de même. Donc, on va retourner à Yellowtown, comme j'ai dit à Professeur Oak d'aller. On va voir si l'histoire évolue par là, parce que là, ça va l'air de la mer. Ça va l'air d'être un cul-de-sac total. Peut-être que ça va débarrer la route à l'est, à l'ouest, désolé, de cette ville. Qui sait? Qui sait? Ah, oh, shit! Come on! Come on! Ah, oh, bidouf level 2! Tournez-moi pas le couteau dans la plaie, asti! Déjà que j'ai perdu mon doufidou. Là, faut que vous me mettiez un bidouf level 2 direct dans la face, avec une petite Pokéball à côté! Petite Pokéball dans le coin! On voit plus, malheureusement. Ok. The Yellow Town. Le petit village natal de Mermi. Avec la statue d'Arceus. Voyons. Hein? Hello? Ok, je pense que les bains étaient pas programmés pour qu'on passe en arrière d'eux. Ok. Ah, voilà. Je l'avais dit. J'arrive avant Professeur Oak. Quel là, cet homme. Mormi m'a dit de venir ici. Vite. Mormi m'a dit de venir ici rapidement, ce qu'il n'a pas fait. Je suis ici pour apprendre à propos de tes recherches. La professeure Jasmine, la professeure Jasmine. Jasmine dit, oui, professeur, avec l'aide de Mormi, je suis en train de. Désolé, j'ai l'impression que mes verbes. J'ai étudié d'anciens écrits de la création de l'univers. Les écrits disent que Arceus. Là, s'il y a des common hate, là, Arceus, 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 je le sais pas, c'est toute la même style d'affaires, ok? Just saying. Rien contre personne. Ils ont dit que Arceus a créé le monde et tous les Pokémon qui y vivent. Incroyable! Ça se connecte directement à ma dernière recherche dans les Pokémon, dans l'ADN des Pokémon. À ce qui paraît, tous les Pokémon ont le même trait en commun. Le même petit trait en commun. Oui, professeur. Mais maintenant, c'est tout ce que je sais. Je vous enverrai les documents complets sur un CD. Ok, professeur Jasmine. Je vais aller faire mes recherches. En Zeri, son même région, en quelque part. Ok, juste à la ville en haut, dans le fond, Central City, la tour radio de Central City. Dites-moi immédiatement si vous avez quelques problèmes. Oui, Jasmine qui dit OK, O-R-E-J-A. Jasmine dit que elle m'a inscrit à la ligue de Zeri. Dans le fond, Zeri, c'est la région dans laquelle je suis présentement. Je suis désolé, je ne le savais même pas encore. Ça fait des mois que j'ai pas joué à ça. Maintenant, je peux battre des gym leaders. Nice! Et devenir un meilleur trainer. Félicitations et prends soin de toi. Still after you. Ok, fait que. Donc, à ce que je peux comprendre, la team Steam, c'est comme un peu la team Rocket, la team Plasma ou whatever, n'importe quelle team. Hey, est-ce que vous êtes des trainers? Je pense que je vous ai pas battu, vous. Hello! Je te regardais et j'ai vu que tu es un traîneur de Pokémon. Je sais que les Pokémon aiment beaucoup manger les baies. Et j'ai justement la best façon. Et j'ai même la meilleure façon d'avoir ce type de fruit. Tu vas juste utiliser ta IF sur ces petits arbres et you will easily pick them.
Yeah! Fait que dans le fond, je vais équiper ça à un Pokémon. Je sais exactement quel Pokémon. Ok. Garnouille, t'es mon ami. C'est une nouvelle façon de collecter les baies. Je suppose qu'on peut pas vraiment les planter, les arroser, puis ensuite les cultiver. Je pense que c'est vraiment juste comme ça. Ça doit être plus facile à programmer comme ça. Mais dans le fond, c'est un hack. Fait que je comprends pas pourquoi il a pas gardé le système de baies. Parce que là, je vais tout le temps être obligé de garder ce move-là pour avoir des baies, ses poches. Ok. Je suis présentement à Central City. Je sais pas s'il y a un gym leader ici. On va regarder ça brièvement. Radio TV Station, c'est pas ça. Le market est là. Les deux qui courent sont là. Ça, c'est le safari. Ouais, s'il y a un safari, je pourrais aller pogner un Pokémon. Au moins un. Parce que je peux juste pogner un Pokémon par zone. Oh! Il y a deux environnements. Est-ce que je pourrais attraper deux Pokémon? Je vais aller dans le marché. Non, je pense que je vais juste attraper un Pokémon par safari. Parce que s'il y a un safari dans la première ville, c'est sûr qu'il va en avoir un autre à un autre moment, c'est certain. Wow! C'est un effet bizarre, ça. Salut! Oh yes, il y a beaucoup de types de Pokémon eau qui vivent ici, dans ces plantes. Ok, quel sera notre Pokémon eau? Ah! Oh, Wooper. Wooper! Oh non, pis, hey, faut pas que je l'échappe, faut pas qu'il s'en aille! Damn it, go! Pas... Yay! Yay, ça a pas été compliqué. Yay, on a un Wooper, les amis! On a un Wooper! Et je sais exactement comment l'appeler. On va l'appeler. Vous vous doutez bien de ce qui va arriver. Le Whopper de chez Burger King. Whopper! Yeah! Bienvenue dans l'équipe, Whopper! Whopper level 4. Il y a Water Absorb, ça c'est cool. Il prend l'eau et la change en vie. Il y a Water Gun, Tail Whip, cool. Nice! Donc, je peux crisser mon camp. Comment qu'on crisse notre camp? Je veux juste aller voir c'est quoi les autres Pokémon qu'il y avait. Juste pour me craquer le cœur un peu. Ah, cette merde. Ah, non, je voulais pas faire ça. Ah, si je le pogne, je vais le jeter au vidange. Ok, cool. Ouais. Mon mouille, je m'en vais, bye bye. Bon, ben ok, c'est bon. J'ai mon Whopper, je suis bien content. Tant que j'ai mon burger. Hey, je veux crisser mon camp. Calvaire. Je peux pas crisser mon camp. Ok, je pense que. On va se laisser pour cet épisode et je vais trouver comment sortir du Safari Zone dans le prochain épisode. Bye bye tout le monde!